Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de galette des rois. Aujourd'hui, une galette des rois. Jean-Marc, tu restes calme, d'accord? Tu restes calme, puisque tu me laisses d'abord parler, d'accord? Et puis voilà, tu me laisses vraiment finir de parler et après tu parles, d'accord? Tu coupes pas la parole. Et même chez mon père, tu le dis pas produit, tu restes tranquille, parce que d'ailleurs, il va pas être filmé, mon père, parce que bon, voilà, il n'aime pas trop les caméras et ça, je le comprends. Et voilà, tu restes calme comme maintenant, d'accord? Ok. Voilà, bon, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Nous allons déguster la galette des rois. J'étais invité par mon père à manger la galette des rois chez lui. Donc, on se retrouve chez lui pour déguster cette galette des rois. J'espère que ça va bien se passer avec Jean-Marc, qui va pas trop parler, mais pour le moment, ça va, il reste calme. Voilà, bon, tout se passe bien pour le moment. Bon, voilà. Voilà, c'est juste que je voulais vous dire que bon, je suis désolé, j'ai pas fait la vidéo de débûche et tout ça. C'est parce que avec cette crise et tout, il y a moins de motivation. Bon, c'est pas que la motivation, c'est juste que vraiment, voilà, j'ai pris une bûche, mais je l'ai mangée. J'ai même pas pensé à faire la vidéo de la bûche et tout, comme j'avais fait dans le foyer. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo là où en fait j'étais en train de manger la bûche, une petite bûche, là, tout ça. Et là aujourd'hui, j'ai mangé une grosse bûche. Enfin, cette année, j'ai mangé une grosse bûche. Et j'ai pas fait de vidéo, donc pour me rattraper, je fais juste une vidéo de la galette des rois que je vais manger. Ce sera sûrement une petite galette des rois frangipane, un petit truc comme ça, comme mon père a l'habitude de manger. Et puis voilà, du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je suis désolé qu'il n'y a pas trop de vidéos cette année, c'est pas la même année que les autres d'habitude. Pourquoi, Roduc? Ça va, ça va, ça va. Parle pas, parle pas. Laisse-moi parler, d'accord? Tu me laisses parler, d'accord? Tu vas pas m'énerver, on s'énerve pas aujourd'hui, d'accord? On s'énerve pas. On reste tranquille. Voilà, et du coup, je fais cette vidéo, juste la vidéo des galets des rois. Et puis, je tiens aussi à vous dire que je vais essayer de faire des lives faits pour que les abonnés puissent faire leur pub dans ma chaîne. J'essaie de préparer ça, en fait. Et j'essaierai de faire cette année aussi des lives tout courts en train de jouer un jeu, bien pour parler avec vous, mes abonnés, etc., etc., etc. Bon, voilà. Bon, là, nous allons y aller. Et on va aller chez mon père. Et puis, on va manger la galette des rois avec un petit jus d'orange ou un petit cidre, tranquille. Et puis, on va revenir, juste histoire de faire un bon dimanche, tranquille. Et puis voilà, la vidéo va certainement sortir lundi ou mardi, un des deux. Et je vous cache pas aussi que je suis content que vraiment, cette semaine, j'aurai sûrement Internet chez moi, puisque ça faisait un moment que je galère avec la Wi-Fi. C'est la galère, la Wi-Fi. Comme vous voyez, je suis toujours à côté de la fenêtre et tout. Mais cela va changer, je ne serai plus trop à côté de la fenêtre. Maintenant, je pourrai faire des vidéos sans Wi-Fi. Tranquille, puisque là je fais mes vidéos et c'est la wifi qui gère ma chaîne. Sans wifi, en fait, c'est difficile, en fait, puisque en fait les vidéos ils sortent aussi, si vous avez remarqué, à minuit, des trucs comme ça, puisque je suis en galère avec ma wifi. Je mets la wifi, puis le temps que ça charge, ça met beaucoup de temps. Donc maintenant je vais avoir ma box que j'ai pris une box de chez SFR. Et puis voilà, du coup, tranquille, je pense que ça va mieux marcher pour publier mes vidéos. Bon, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Nous allons déguster une petite galette des rois ensemble. Et puis j'espère que ça va bien se passer avec Jean-Marc. Et puis voilà, il va essayer de rester calme, Jean-Marc. Ah, il parle pas. Je sais pas, il veut pas parler. Il va peut-être te dépenser là-bas, ça, mais n'essaye pas de m'insulter quand même. Ne dis pas gros duc à mon père, tu vois, ça va pas l'apprécier. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui aime bien être tranquille dans sa tranquillité. Il n'aime pas qu'on l'engueule et tout. Faut pas s'énerver avec lui, d'accord? Tu restes calme, d'accord? Je te fais confiance, Jean-Marc, d'accord? Et là, je peux parler? Oui, là, tu peux parler. Oui, là, tu peux parler. Et je vais dire que, franchement, vous êtes tous des gros ducs. Et franchement, dans la vidéo, je vais me retenir de dire le mot gros duc. Voilà, retiens-toi à dire ce mot gros duc, d'accord? Tu dis tout ce que tu veux, tu parles tranquille, et puis voilà. Et puis voilà. Et il a quoi, là, ton père? Il a SFR, moi, chez lui, parce que s'il n'a pas SFR, c'est nul quand même chez lui. Mon père, il n'a pas Internet, oui, il n'a pas Internet, puisque voilà, lui, c'est quelqu'un qui est un retraité, qui est tranquille chez lui, tu vois, il n'aime pas se casser la tête. Et puis, ah bon? Oui, il est tranquille, lui, il ne veut pas se casser la tête, il n'a pas besoin d'Internet, il ne connaît même pas comment se servir déjà d'Internet, il ne sait même pas comment servir
d'un portable avec Internet dessus, c'est quelqu'un qui est de la dernière génération, tu vois, il n'aime pas trop la technologie, même s'il a envie d'apprendre, oui, mais voilà, tu verras pas d'Internet, on va pas emmener le PC, on va pas faire tout ce genre de choses, d'accord? On va rester calme, on va parler un peu avec mon père, parce que il rencontre que, à part son voisin, il rencontre pas beaucoup de monde par rapport à ce confinement et ce virus, donc voilà. Là, il a été à l'hôpital il n'y a pas longtemps, du coup, c'est des petits soucis qu'il avait eus, c'est pas bien grave, il va mieux. Bon, et pour le réconforter, tu vas peut-être lui dire des mots gentils, d'accord? Et pas trop l'insulter, d'accord? Je compte sur toi, hein, d'accord, Jean-Marc? Allez, on y va. On y va et on va manger, pour finir la vidéo, cette petite dégustation de galette des rois. On vous dira si la galette des rois est de bonne qualité ou de moyenne qualité. On va vous le dire la vérité. Allez, à tout à l'heure, des amis. À tout à l'heure, les chroniques! Bah allez, parle. Parle. Dis bonjour. Ça y est, maintenant il a perdu sa langue. Je pense peut-être qu'il a peur de toi. Dis bonjour, Roger. Allez, dis. Et Bernard. Bonjour Monsieur Roger, vous allez bien? Oui, et toi? Ça va, moi je m'appelle Jean-Marc. Jean-Marc? Ah bon? Oui. C'est bien, c'est bien. Vous êtes le papa de David Ortiz, c'est ça? Oui, c'est ça. Il m'a beaucoup parlé de vous, hein? Ah bon? Il m'a dit que vous étiez gentil. Eh bien oui, on a fêté les rois aujourd'hui. Oui, et votre galette, elle était très bonne. Ah, et j'ai aimé. Avec votre petite sauce, là, c'était magnifique. Ah, bien. Et Monsieur Dabi m'a dit de ne pas vous inciter, que vous êtes hyper gentil. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, oui. Puisque d'habitude, monsieur a l'habitude de dire « produc », et là, aujourd'hui, je lui ai dit « c'est interdit de dire « produc ». Oui, c'est pour ça. Puisque j'insulte tout le monde en ce moment. Mais vous avez l'air sympa, monsieur. Ah, c'est bien, ça. Dis donc, le virus. Bon, c'est bon, ne commence pas. Le virus, ça va m'énerver. Ah bon? On va pas parler du virus, c'est les choses qui fâchent. Ah bon? On en a plein de cul, ce virus de merde. Il est vraiment chiant, ce virus. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Roger? Ah, ben ça, c'est sûr. Il est en train de nous embêter, oui. Franchement, j'ai pris le bus tout à l'heure et puis il m'a fait vraiment chier ce virus. Ils ont tous le masque, ces gros ducs. Pardon, excusez-moi. Le voyage était long. Tout à fait, monsieur Roger. Le voyage était très 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 long. Ouais. Ça va, je parle bien? Oui, ça va, tu parles bien, ça va. Pour le moment, t'es poli, ça va. Tu respectes bien. Oui, ça va, il a l'air gentil ton papa, Roger. Il est très très bien et gentil. Ça vous arrive d'arrêter de fumer un peu de temps en temps? Oh oui, ça m'arrive, oui. Ça vous fait quel effet de fumer, monsieur? Oh ben... ça me fait passer le temps. Ah, ça vous fait... Ça lui fait passer le temps, en fait, parce que... comme il est tout seul, alors du coup, il fume un peu, comme ça le détend un peu. Ah, c'est pour ça. Vous aimez la cigarette? Oui. D'accord, monsieur.
En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous connaître. Ah, vous avez l'air un monsieur très sympa. Monsieur Dabilartis, il m'a beaucoup parlé de vous en bien. Ah, ça va alors. Ça va. Il m'a dit que vous dansez bien aussi, que vous êtes agréable, vous êtes très très gentil. Voilà. Je danse de temps en temps. Ah, c'est bien. Vous dansez quoi? Du rock un peu? Non, non, je danse Coco Caline. Ah ouais, je connais cette musique, je la kiffe moi aussi. Coco Caline. Tu peux me la chanter? Ah, je suis pas très bon chanteur moi. Hein. Bon, je vais essayer de faire un effort pour vous, monsieur Roger. Attends, je me rappelle plus comment... Vous pouvez m'aider à me lancer? Le tempo, c'est ti la 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 ti la 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 Coco Caline. Ouais. Je sais plus moi aussi les paroles. Oui, celle-là, elle est pas mal. Ouais. Elle me fait beaucoup rire. Ouais, ouais, c'est bien ça. Monsieur est timide aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je suis timide, parce que c'est la première fois que je vois ton papa, c'est normal. Pas vrai, monsieur? C'est la première fois qu'on se voit, nous deux. Ah ben, je veux bien, oui. Je suis poli, alors? Oui, c'est à peu près comme ça. Ouais. C'est bien comme ça. Ouais, franchement, c'était très bon, votre galette des rois. J'ai apprécié. Avec le cidre, là, il était très bon, le cidre. Ah ben, je pense bien. Ça sent bon, hein? Ouais, ouais, très 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 bon. Ça sent la Bretagne. Ah bon? Mais oui, c'est breton. Sinon, vous me trouvez comment avec mon nez papillon, monsieur? Le quoi? Avec mon nez papillon, vous me trouvez bien? Ah oui. Je suis beau gosse, non? Oui, très bonne expression. De bonne famille. Vous pensez que je vais trouver une copine comme je suis habillée? Ah oui. Puisque j'ai du mal à trouver des copines, franchement. Bah, il y a plus de filles que de garçons maintenant. Ah ouais? Les filles sont plus nombreuses que les garçons. C'est vrai, je pense que c'est vrai ce que vous dites. Excusez-moi, je suis un peu timide un peu. D'habitude, je suis excitée, mais là, je suis un peu timide. Et en plus, monsieur David m'a dit de rester calme avec vous. Puisque vous êtes très 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 gentil. Bon, ben la prochaine fois, on aura un canon ensemble. Un canon, c'est quoi, monsieur? Je sais pas c'est quoi un canon. Un canon, c'est un coup de cidre. Ah, un coup de cidre, ouais, ok. Pas de soucis. Même si vous voulez, on va fumer du bédo ensemble. Des fois, ça m'arrive, je bois un peu, je fume, je bois un peu et en plus, je fume du bédo. Ah. Ah bon, tu fumes du bédo? Depuis quand? Depuis toujours. Je voulais pas te le dire, David, mais... Il y a un collègue qui est venu chez toi et il a fumé du bédo. Ah bon, du bédo? Vous fumez du bédo chez moi? Du bédo. Oh, Jean-Marc, quand même. Tu rigoles? Non, c'est vrai. Ah bon? Qui est rentré chez moi à fumer du bédo? Il y a personne qui fume du bédo chez moi. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je te le jure, David. Il y a quelqu'un qui est venu chez toi. Il s'appelait Eric. Et on a fumé deux bédos ensemble. C'est bizarre, ça. Franchement, c'est bizarre. Mais en tout cas, j'ai rien senti. Mais bien sûr, j'ai mis le parfum. Tu sais ton parfum que tu mets d'habitude? Oh là là. Ah bon, comme ça, alors comme ça, tu fumes du bédo chez moi? N'importe quoi. Je te crois pas. Mais si, en tout cas, si je vois une trace de bédo ou de quelque chose, je te fous à la poubelle. Hein. Non, mais je rigole pas, Jean-Marc. T'as intérêt à faire ça, tu vas voir. De toute façon, mon pote, il est musclé. Et si tu veux une manette, casse ta gueule. Il va rien casser. De toute façon, je sais pas. Je suis sûr que c'est des conneries que tu me racontes. En tout cas, s'il y a une personne qui fume du bédo chez moi, ben, tu vas voir, de toute façon. Je vais vous régler votre compte à vous deux. De toute façon, je ferme la porte bien, tranquille. De toute façon, tu ne sauras jamais quand il vient. Il vient que quand tu es au travail. Ok, bah. Fais en sorte que je ne le vois pas, ton ami là qui fume du bédo. C'est rien de mal de fumer du bédo, qu'est-ce qu'on pense, monsieur Roger? Ouais, ouais. T'en sais rien, ça. Même si on peut aller en prison. C'est vraiment rien de fumer du bédo. Un petit bédo, des fois, ça fait du bien. Ou bien de la chicha, par exemple. J'aime bien fumer de la chicha. C'est très bien, la chicha. Ah, la chicha, oui. Vous connaissez la chicha? Oula, depuis longtemps, oui. Ah, ouais. Vous avez déjà fumé de la chicha? Oui. Et quel parfum que vous aimez bien? Oh, ben...
de l'afghan. Ah, je connais pas. Ah, ok. L'afghan parfumé. Ok. T'as vu, ton papa, il connaît la chicha. Il en a même fumé dans sa jeunesse. Mmh. Ouais, t'as vu. Mais même mon père, il a fumé. Ah oui, quand il était en Indochine, il a fumé du opium. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est lui qui me l'a dit. Hein. Ah ouais. Peut-être qu'un jour, on va fumer de la chicha ensemble, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, pourquoi pas. Ou bien un bédo. J'en ai pas de bédo, j'ai dit. Pas de bédo. Ça sera en cachette, monsieur Roger. Ben, t'as intérêt que je t'attrape pas avec ton bédo. On va le filmer ensemble, nous deux, moi et monsieur Roger, d'accord? Ce serait séparé, ça serait entre nous. Il faut pas que je te bois, Jean-Marc. Hein. De toute façon, tu me verras jamais, t'es toujours au travail. Ah bon? T'as la chance, parce que deux fois quand je suis en congé, de toute façon, et que je reviens du travail tôt, que je t'attrape pas avec un bédo à la main, sinon je te fous à la poubelle, ça c'est sûr. Allez, tu me verras jamais, de toute façon. Je suis trop malin et en plus trop fort. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir fait une vidéo avec vous et d'avoir mangé une belle petite galette de bonne qualité, comme il dit monsieur David l'artiste. Ouais. Et puis voilà. De bonne qualité. Au moins, je vous ai connu. Je suis hyper content de vous avoir connu, monsieur Roger. Bien, bien. Bon, j'espère que vous allez regarder cette vidéo qu'on vient de faire ensemble dans la chaîne de David l'artiste. David l'artiste. Oui, David l'artiste. Ah, Baby l'artiste. Ben voilà. En tout cas, Jean-Marc, il était impassionné de faire cette vidéo. Que bon, on avait prévu de faire une vidéo un jour, et voilà, c'est venu. Alors, t'es content, Jean-Marc? Mais bien sûr, je suis content, Crodic. On avait dit, ne dis pas Crodic. Reste calme, Jean-Marc. Ok? Ça va, j'étais calme quand même. Oui, ça va, mais continue jusqu'à la fin de la vidéo. D'accord? Ok. Bon voilà, j'espère que vous avez liké notre vidéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, monsieur Roger. Et puis à plus pour la prochaine vidéo. J'ai pas le droit de dire de gros mots, mais bon, j'aimerais bien dire un petit gros mot pour la fin. Mais je ne le dirai pas, puisque je vais être gentil avec monsieur Roger. Voilà. Bon, ben salut monsieur Roger et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut les amis. Tu m'avais pas dit que c'était un vieux. Il est vraiment vieux ton papa David. Hein? Franchement, il est très très vieux. Ouais, il est vieux. Oui, bien sûr qu'il est vieux, il est pas jeune. J'ai déjà dit qu'il était vieux, il était calme et puis lui, il est pas jeune, c'est sûr. Mais toi, tu penses que c'était... je te disais des conneries, c'était pas des conneries, Jean-Marc, que je te disais. C'était pas des conneries, il est bien vieux, il aime bien être tranquille chez lui, tout ça, c'est vrai. Mais franchement, ça m'a fait plaisir parce que t'es resté calme et ça fait plaisir. Et oui, Rodic, j'essaie d'être calme une fois dans la vie. C'est bien, franchement, ça me fait plaisir que tu sois calme de temps en temps. Puisque franchement, là, on a eu besoin de la tranquillité, ça s'est bien passé, on a mangé la galette des rois et tout. Et puis, franchement, ça fait plaisir. Après, je sais pas si t'es fatigué, moi je suis fatigué. Du coup, on va aller dormir. Puis voilà, là, j'ai enfin descendu ma poubelle, parce que tout à l'heure je vais descendre ma poubelle. Je vais descendre ma poubelle tout de suite. Et puis voilà, on se retrouve les amis pour une prochaine vidéo avec votre ami Jean-Marc, qui m'a fait vraiment plaisir, qui est enfin resté calme. Bien sûr, je sais rester calme. Franchement, ça me fait plaisir que tu restes calme de temps en temps, même si des fois tu es très excité. Et bon voilà, je voulais faire aussi une dédicace à deux personnes qui est extraordinaire. Alexis, une rose dédicace à un ami qui s'appelle Alexis, et une rose dédicace à Mathieu. Mathieu est un ami que j'aime bien. Et puis voilà. Tu parles plus, ça y est ? Non, c'est pas ça, parce que je suis fatigué, David. Je suis trop fatigué. T'es trop fatigué là, ça y est, t'es KO. T'as plus de force. Le transport, il t'a fatigué. J'allais te dire, t'allais être fatigué, j'allais te dire. Pourquoi t'es pas fatigué toi? Ben oui, je suis fatigué. D'ailleurs, on va aller dormir de suite, puisque je suis KO.
ma journée a été vraiment tranquille, mais bon, je suis vraiment au chaos. Pour une fois te voir fatigué, franchement, c'est rare que tu es fatigué. Mais oui, Rodi, je peux être fatigué de temps en temps, moi aussi. Et, ben, après, je remarque ce qu'il y a. Maintenant, on aura une nouvelle vidéo bientôt. Une vidéo avec une personne, si tout se passe bien. Je te dis pas c'est qui, c'est une personne que tu connais pas aussi. Et puis, j'espère que ça va bien se passer. C'est une surprise, c'est une vidéo que j'ai préparée exprès pour toi. Tu pourras même te défouler sur la personne. T'es sûr de ce que tu dis? Oui, je suis sûr de ce que je dis. Sûr? Oui, sûr. Je suis sûr de ce que je te dis. C'est qui alors? Ben, tu verras, Jean-Marc, tu verras. C'est qui aussi? Dis-moi, maintenant t'as commencé avec ça, dis-moi c'est qui? Non, c'est une vidéo avec une personne, je te dis pas c'est qui. Surprise. Oh là là, franchement David, là, tu commences quand même un peu à me galer, mais t'as la chance que je suis fatigué. Et du coup, j'ai hâte de dormir. Donc, on va aller dormir, Roduc, et tu me diras ça demain, ok? Ok, je te dirai ça demain si tout va bien. Bon les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et au revoir les crotus!